Bonjour, je m'appelle Claire Elie, je fais partie du collectif pour la transition citoyenne en Eure, Alternativa Évreux. Je fais partie du groupe qui s'occupe de la forêt nourricière. Donc, c'est un projet qu'on a monté maintenant il y a un an. Un projet citoyen qui va être ouvert à tous. Donc, le but, c'est de planter des arbres et des arbustes fruitiers sur le modèle de la forêt naturelle. Donc, on essaie de faire sans engrais, sans énergie fossile, avec le moins possible d'intervention. Et le but après, c'est que ce soit un espace qui soit ouvert où tout à chacun puisse venir ramasser les fruits qui seront dans la forêt quand il le voudra, qui peut venir nous aider une fois ou non, en famille, seul, quand il y a des chantiers participatifs. Et on veut aussi mettre en place des animations autour du compostage, d'un potager pédagogique peut-être, de la mare, du rucher. Des oiseaux, des plantes comestibles qu'on peut trouver tout autour de notre espace. Donc, en tout cas, je répète, c'est un espace qui est gratuit et ouvert à tous, qui est près d'un quartier prioritaire. Donc, on travaille aussi avec les maisons de quartier et d'autres associations locales. Notre petit flyer, pour nous contacter, il y a notre adresse mail, evreux@alternativa.ue. Et il y a aussi, au dos du mail, le numéro d'un des référents, Claude Ordioni, pour pouvoir nous joindre facilement et prendre tous les renseignements.